Bonjour, bienvenue. On est à l'Etihad Stadium avec Pierre aujourd'hui. Ça va, Pierre? Ouais, salut Hervé. Bonjour à tous les amoureux du ballon rond. Manchester City lineup today. Et dans ce match, nous retrouvons Manchester City face à Bournemouth. Number 17, Kevin De Bruyne. Avec Manchester City, on peut s'attendre en tout cas à avoir des buts, puisque c'est la meilleure attaque du championnat. On verra si cela se vérifie encore aujourd'hui. En tout cas, on prend du plaisir à voir cette équipe déployer son jeu d'attaque. Number 9, Lorenzo Insigne. Number 10, Ciro Immobile. And number 20, Robert. On a clairement affaire à une équipe qui n'hésite pas à aller presser les joueurs adverses. Tu t'attends à quoi, Pierre? Bah, ce que tu viens de dire, Hervé, c'est une équipe qui aime avoir le ballon et surtout qui cherche à le récupérer dès qu'elle le perd. Enfin, je dis ça, je t'apprends rien. Hein. De toute façon, tu sais tout. Cheers. Hey. Thanks. Hi. Good game. Good game. Best of luck. Good game. Hey, good game. Thanks. Good game. Cheers. Good luck. La composition de l'équipe visiteuse à présent. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons plus classique. Thank you for attending the Etihad Stadium. Enjoy the game. Début de ce match avec les Sky Blues de Man City au coup d'envoi. La passe est interceptée. Angelino. Perisic. Insigne. Immobile. Sterling. Lewandowski. La frappe de Lewandowski. Man City qui va bénéficier du corner. Modric qui va chercher un partenaire dans la surface. Ce sera droit dans les bras du gardien. Angelino. Modric. Modric. Il paye pas de mine, hein. Il ressemble pas à grand chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il est pas très grand, 1m74. Il est pas super beau gosse. Mais alors, quand il a le ballon dans les pieds, c'est un régal. Kevin De Bruyne. Oh, c'est juste à côté! Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait. Un peu loin peut-être, quand même. Hein, hein, c'était bien tenté, mais pff, ça manque de précision. Peric. Dan Gosling. Il y va tout seul. Angelino. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe complètement à l'adversaire direct. Il tacle. Sterling. Modric. Luka Modric, des qualités exceptionnelles, hein, chez ce milieu de terrain. C'est vraiment le milieu comme on les aime, quoi, le joueur technique, polyvalent. C'est un de mes joueurs préférés, excellent. Il choisit la frappe. Oh, la barre, et ça continue. Ça se joue à pas grand-chose, là, mais s'il se crée d'autres occasions dans ce genre, ils finiront par marquer. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Sterling. Modric, les 30 derniers mètres.
Et non, ça n'ira pas plus loin, c'est bien défendu. Dominique Solanke. Ouais, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Robert Lewandowski. Et bien l'intervention, changement de possession. Et il envoie le ballon très loin. Virgil van Dijk. Kevin De Bruyne. Insigne. La petite passe en cloche. Ah, il y est! On le sentait venir! Et il est venu! Ah, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Ouais, magnifique, magnifique cette reprise de volée. C'est le geste pur par excellence, celui qui demande une grande maîtrise technique avec de la confiance aussi. Pour moi, il faut en taper quelques-unes à l'entraînement pour en mettre une au fond. Hein. Très heureux que son équipe ait marqué un but, l'entraîneur visiblement, et de l'avoir prendre les commandes de ce match aussi. Manchester City a pris l'avantage. Lewis Cook, Dan Gosling, ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Lewandowski, Immobilier, Kevin De Bruyne, Sterling. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Kevin De Bruyne, il repousse. Et le tir de Lewandowski. Insigne. Ouais, danger éloigné, mais ça joue. Ah, il dégage ce ballon en touche directement. Ivan Perisic. Luka Modric. Il prend sa chance. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Ils ont à présent une avance confortable. Doug Gomez. Ah, il était là, Lewandowski, pour couper cette trajectoire. Attention, ça peut être dangereux. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, il perd ce ballon, mauvais contrôle. Immobilier, Lewandowski, Luka Modric, Insigne, Sterling, De Bruyne. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Daniels. Oh, la mauvaise passe, il l'a pas regardé où il la mettait. Modric. Immobilier. Elle est peut-être une bonne occasion. Ouais, il efface bien son vis-à-vis. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Et la voilà la frappe. Mais cette fois, il ne trompera pas le gardien. Son but de tout à l'heure lui a donné des ailes, on dirait. Cook. Ah, c'est un ballon perdu. Ah non, le ballon est perdu.
Insigne. Immobile. Modric. Robert Lewandowski. Et ça part très loin avec ce dégagement. Luka Modric. Immobile. Avec un tir. Ouais, ça passe très très largement au-dessus. Aucun danger, si ce n'est pour l'aviation civile. Dan Gosling. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh, la belle ouais, la tentative. Ah, ça passe très nettement au-dessus de la barre. Virgil van Dijk. Ivan Perisic. Van Dijk. Kevin De Bruyne. Ah, ils mènent le score, ils font tourner le ballon. Et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire outre mesure. Immobile. Sterling. Immobile. Ah, il est un petit peu court hein, sur ce ballon. Parce qu'il ne peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. Cook. Dan Gosling. De Bruyne. Allez, la voie est libre pour Sterling. Il donne un ballon piqué. Le gardien qui repousse, attention. Le dégagement pour éloigner le danger. Immobile. Modric. Kevin De Bruyne. Non, c'est contré. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Hein. Cook. Daniels. Touche dans le camp adverse. Peric. Lewis Cook. Choisit la frappe. Oh, la parade exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, peut-être pour les supporters adverses, du coup. Un corner bien tiré. Oh, c'est complètement manqué, ça. Cette distance, on se demande comment il fait. Je me demande s'il n'y a pas eu un faux rebond ou un truc dans le genre. Kevin De Bruyne. Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant. Le score pour le moment 2-0. Les joueurs mènent sur leur pelouse à la pause. Oui, Hervé, la meilleure attaque du championnat. Encore frappé. Sterling. Lewandowski, la frappe de Lewandowski. Man City qui va bénéficier du corner. Kevin De Bruyne. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait. Insigne. La petite passe en cloche. Ah, il y est ! On le sentait venir ! Et il est venu ! Ah, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Luka Modric. Il prend sa chance. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est temps. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement, ils perdent le ballon. Et la voilà, la frappe. Mais cette fois, il ne trompera pas le gardien. Son but de tout à l'heure lui a donné des ailes, on dirait.
Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Voilà, belle passe. Ouais, la tentative. Ah, ça passe très nettement au-dessus de la barre. Immobilier. Ah, il est un petit peu court hein, sur ce ballon. Oui, parce qu'il ne peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. Voilà, parade exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout. Ouais, corner bien tiré. Oh, c'est complètement manqué ça. À cette distance, on se demande comment il fait. Je me demande s'il n'y a pas eu un faux rebond ou un truc dans le genre.
Alors il y en a une qui est toujours là, c'est la pluie. Hein. Ouais, on vient de voir l'arbitre examiner la pelouse à la pause. Bon, il a estimé que c'était toujours praticable pour l'instant. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Attention Perisic. Oh, le ballon au fond du filet. Ouais, il a vraiment trouvé la lucarne avec ce tir. Quelle action, Pierre. Surtout quelle finition. Hein. Oui, c'est vrai. Tout est parfait. Le centre, la reprise de volée. Timing exceptionnel. Bien, ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Angelino, Perisic, Brozovic se contente de faire circuler le ballon à toi, à moi, et l'adversaire, il faut bien le dire, laisse faire. De Bruyne, immobilé. La passe est interceptée. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Oui, bien donné cette passe en profondeur. Ce sera encore concédé par la défense finalement. Attention à la frappe. Oh, la parade du gardien à bout portant. Il fallait le sortir, cet arrêt. Franchement, c'est bien joué. Comment vont-ils le jouer, ce corner? Attention à ce corner de Fraser. Oh là 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 là, il y avait mieux à faire avec un ballon pareil. Ah, tu m'étonnes qu'il y avait mieux à faire. Une belle occasion de but, mais qui n'est pas cadrée. Ton partenaire lui avait adressé un bon centre, pourtant, après, c'est beaucoup moins bien. Brozovic. Immobilé. Beric. C'est finalement un ballon perdu. Des Bachirou. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Rodri. Virgil van Dijk. Van Dijk. Angelino. Brozovic. Virgil van Dijk. Rodri. On voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but. Rodri. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Virgil van Dijk. Angelino. Rodri. On écarte le jeu. De Bruyne. On est dans une phase de conservation du balle en attendant l'ouverture. Et le ballon dans les bras du gardien. De Bruyne. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Ouais, c'est un boulevard là pour Bournemouth. Va-t-il parvenir à centrer? Il prend sa chance. Oh, c'est pas cadré! Il s'est posé trop de questions et comme il n'est pas très intelligent, bah c'est raté. Rodri.
Kevin De Bruyne. Immobilé. De Bruyne. Ouais, la frappe. Allez, c'est le moment de faire parler le jeu de tête. Allez, il trouve la surface de Bruyne. Il va ramener le jeu dans l'axe. Un duel pour la récupération du ballon. Jefferson Lerma. De Bruyne. Lewandowski. Kevin De Bruyne. Le ballon est sorti. Ce sera en faveur de Man City. Il a raté sa touche, le ballon récupéré par l'équipe adverse. Ivan Perisic. Brozovic. Un long ballon, loin devant. Robert Lewandowski. Ballon perdu. Ryan Fraser. Voilà, ils ont récupéré le ballon après avoir bien pressé l'adversaire. Ah, ce sera une touche après ce tac impeccable. Ah, décidément, la météo, ça s'arrange pas vraiment. Ah, la pluie redouble, on dirait. Hein. On est mieux dans notre cabine que sur le terrain. C'est clair. Le ballon a touché le défenseur en dernier, ce sera donc un corner. Voilà un joueur que l'on voit décidément beaucoup dans ce match. Ah, il joue bien, très bien même. On le voit sur ce graphique, il est très présent dans la construction avec de bons appels et des passes bien inspirées. Il est d'ailleurs accrédité d'une passe décisive. Corner, le bon ballon. Ouais, le but. Et ils vont pas vraiment fêter ce but, on les comprend. On va bien évidemment revoir ce but ralenti pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Quel coup de tronche, le corner est bien tiré. Derrière, le timing et la finition font le reste. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Rodri. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Le tir. Et c'est la barre qui repousse, ce n'est pas terminé. Rodri, De Bruyne, et la voilà la frappe. Oh oui, le but. Oh, il trompe le gardien, magnifique. Bah, l'écart entre les deux équipes est assez flagrant aujourd'hui. Les joueurs de City imposent leur jeu et surtout ils sont très efficaces. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Il semble prendre un avantage quasi décisif. De Gomez. Daniels. Il cherche un coéquipier dans la surface. Eh oui, le gardien qui sort, ça fait du bien à sa défense. Rodri. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu.
Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Attention au contre. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Est-ce le ballon qui traîne ? Jefferson Lerma. Ouais, bien joué le défenseur. Kevin De Bruyne. Rodri. Lewandowski. La qualité exceptionnelle chez l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Oui, il est craint par tous les défenseurs parce qu'il s'est créé aussi des espaces pour ses coéquipiers. Puis il a le flair, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et ce ballon qui est perdu. Daniels. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Ils n'ont pas vu le jour dans ce match. Ils ont réussi à stabiliser le score. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus pris de but, mais jamais ils n'ont pu inquiéter leur adversaire. Moment de conservation de la balle. Ils ont décidé de confisquer le ballon pour le moment. Ils font tourner, bien tourner même. Immobilier. Oh, le but peut-être. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Voilà, ça, c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Un duel pour la récupération du ballon. Et on entend le public. Oh, c'est contré ce tir. Rodri. Oh, c'est assez ouvert sur le côté. Attention, l'attaque de Manchester City. Ouais, très bon tacle. Le coup de sifflet final et ce match qui se termine donc sur la victoire de Manchester City. Cette rencontre qui s'achève donc sur cette victoire assez incontestable, un match à sens unique. Manchester City qui fait le plein de points dans ce match. Cette équipe qui a montré une fois de plus que son attaque était redoutable et qui s'impose largement. Insigné. La petite passe en cloche. Ah, il y est! On le sentait venir, et il est venu. Ouais, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Luka Modric. Il prend sa chance. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est en... Ouais, peut-être une situation intéressante là. Attention Perisic. Oh, le ballon au fond du filet. Ah, il a vraiment trouvé la lucarne avec ce tir. De Bruyne. Ouais, la frappe. Allez, c'est le moment de faire parler le jeu de tête. Il joue bien, très bien même. On le voit sur ce graphique, il est très... Corner, le bon ballon. Ouais, le but. Et ils n'ont pas vraiment fêté ce but, on les comprend. Rodri, De Bruyne. Et la voilà la frappe. Oh oui, le but. Oh, il trempe le gardien, magnifique.